Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on démarre un nouveau let's play, celui de Days Gone. Bon, je suis très heureux de vous le présenter, c'est Days Gone sur PC cette fois-ci, et non sur PS 5, hein, maintenant. Bon, il semblerait qu'il soit en 4K 60 FPS, il a des petits ajouts au niveau de la nature. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas un changement énorme. Le jeu était déjà très beau au départ. J'ai toujours eu envie de le faire, ça fait déjà bien longtemps que j'ai voulu le démarrer. Je l'ai jamais fait. On va profiter du fait qu'il soit sorti sur PC pour pouvoir se lancer. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. On va faire une nouvelle partie. J'avais essayé un petit peu les stats là. Regardez un peu les caractéristiques. On va jouer en normal. Et on se lance. Elle m'a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un grand couteau. Hé, hey, aide-moi. Allez. Mm-hmm. Ok, viens. Merde. Encore une fois. Où le filet avant qu'ils aillent? Faut qu'on monte sur le toit pour faire signe à ces hélicos. Mais je m'en occupe. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires. Écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas sur cette là. Brian. Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok? Deux! Quoi? Vous avez de la place que pour deux? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que deux, c'est tout! Ok. Allez, aidez-moi, allez! Ma chérie, ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Boozer, on y va, faut qu'on t'embarque. Faut qu'on monte dans les dents. Dans le grand, gars. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais me tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés, Swiftfinger Jack, à l'ouest. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Elle s'appelle Reviens. Vous venez? On décolle. Non. Ah, le jeu est superbe tout de même. Cette nature. Ah,
être loin. Attends, attends, coupe ton moteur. Merde, elle est vivante. Alvarez. Et Alvarez. Alvarez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Qui a fait ça? C'était un coup des Reapers? Il va falloir choper Léon. Allez. Il le mérite. Alors, la jouabilité de cette moto, j'espère que ça va pas être une patinoire. On a un petit turbo. Allez, un petit coup de turbo. Je vais essayer d'éviter d'aller me mettre dans le décor. Bon, le jeu tourne bien pour le moment. Il est tout juste sorti, hein. Donc, d'ici qu'il fasse quelques mises à jour. J'ai eu une très grosse mage là ce matin. Quasiment le poids du jeu. Ça hein? Espèce de fils de pute! Il a tout fait. Oui. Oh, attends, attends! Il a laissé sa moto. Alors, il est où, Léon? Ah, le jeu est bien fait quand même, hein. Pistage, appuyez sur RS pour activer le mode survie et découvrir les indices et des informations sur votre environnement. Où est-ce qu'il va? Y'a rien ici, à part ces saloperies de mutants. Je me suis peut-être planté à son sujet. Il a peut-être pas de deal avec Copland. Non, ça fait un bail que Léon fourgue du matos à Copland. Ça finit par le rattraper. Hé, attends, doucement. Doucement. Merde. Bon, ok. Alors. Alors, ça serait ici. Bon, c'est le tuto, hein. Ça va être assez simple, logiquement. Attends, attends, là. C'est par là. Les traces sont fraîches. Ah oui. Bien pratique, ton histoire. Au fait, où t'as appris à pister comme ça? J'allais chasser l'élan avec mon vieux quand j'étais môme. On pistait des bêtes sur les kilomètres. À couvert! Frangin. Ouais, ouais, c'est juste une égratignure. Fils de pute vise comme un pied. Putain de merde. Ça va, Boozer. Il a sûrement pris par là, vers la cascade. Il pisse le sang. Il ira pas loin, allez, viens. Oh, regardez en bas.
Oh oh. Fouille-le. Tu te vides, hein? Sale façon de crever, c'est lent. Et ça fait un mal de chien, mais ça tu le sais déjà. Elle était encore en vie quand on l'a trouvée, fils de pute. J'allais sûrement pas gâcher une balle pour elle. Attends, on s'énerve pas. Où sont les médocs, Léon? Si tu te mets à table, moi au moins, je te promets que tu auras droit à une mort rapide. Je crois que tu souffriras pas très longtemps, Léon. Je t'explique, t'as un petit souci. Il flaire ton sang qui coule. Et de très très loin, à ton avis, ça fait quel effet, hein? De se faire étriper. Et bouffer tout cru. Il va pas tarder à le savoir. Va te faire. Adieu, Léon. Attendez! D'accord. Partez pas. C'est juste... là, tiens. Où ça? Dans le cimetière. Je les ai cachés dans le vieux cimetière. Merci. Ça veut dire que... Vas-y. Laisse pas clamser comme ça. Vas-y. Fais-le. Enfoiré de menteur! C'est interdit aux plus de 18 ans. Je m'attendais pas à en voir autant. Je voudrais une preuve pour la prime. T'as pris la bonne décision, mon frère. Pas question de laisser quelqu'un en butant. Même un enfoiré comme Léon. Alors je laisse les sous-titrages tout bêtement parce que... De temps en temps, avec le son, là, Dolby Surround, et tout ce que vous voulez, minute. On n'entend pas forcément tout ce qu'ils disent. Au cas où il y aurait quoi me rafistoler. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici un truc. Ok. Là, autre chose. Appuyez sur LB pour ouvrir le menu de survie. Ok, avec R... RB fabriqué. Reste à combiner les deux. Ouais. RT utilisé. Voilà, comme ça, ça devrait le faire. Ah, c'est bien. Aujourd'hui que je perdrai mon bras, on dirait. Alors LS pour sprinter. Je pensais qu'on irait chasser cette nuit. Je me disais bien qu'on pouvait sprinter. Ah, s'il pleut des cordes, frangin. On a besoin des crédits. Faut qu'on fasse des réserves de matos. Ouais, d'accord. Mais je veux pas passer toute la nuit dehors. La vache, je manque d'exercice. Ah oui, et moi aussi. T'as raison. Je vais voir si je peux prendre des pièces. Non, mais bordel. Quoi? Le fils de pute. C'est l'arrivée d'essence ou tu t'es pissé dessus? Pompe à carburant, Léon, ouais, il m'a flingué ma pompe en fluor. Ça donne quelque chose, sa moto? Non, elle est foutue. Écoute. On n'a qu'à retourner au Mont Oliri. Demain matin, on ira te trouver des pièces détachées pour ta bécane. Non. Je crois que j'ai une meilleure idée. Autant s'en occuper tant qu'on est là. Quoi? Chez Crazy Willy, c'est pas loin d'où on est. On a qu'à y faire un tour. C'est quoi ton plan? On devait sortir chasser cette nuit, non? Et Crazy Willy, c'est aussi bien qu'ailleurs. Ok, ça roule. Hey. C'est bien, ça commence bien. La file est quoi, Léon? Une espèce de carte. Quand on aura récupéré ma bécane, on ira fouiner du côté du cimetière. Ouais, ça roule. Bon, demain... On récupère les médocs, on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon. Après, on file vers le nord. Et tu penses que c'est différent dans le nord? On s'en fout, ça nous ferait du bien de nous tirer d'ici. On entend des bruits. Ah tiens, là, ouais.
Ils sont un peu partout, putain. Attends, la route est bloquée. Fais gaffe. J'ai vu un piège de ce genre il y a deux jours. Les Reapers avaient barré la route avec une vieille camionnette. Allez, aide-moi à la bouger. Ouais. T'as une moto, passe sur le côté. Véhicule à pousser. Certains véhicules peuvent être déplacés ou dégagés ou obstruer une voie. Maintenez sur X pour les pousser. Ouais. Laquelle tu pousses, celle-ci ? Pousse ! C'est prêt à plus lourd, les gars. Hein. Bagarre. Et non. Alors appuyez sur RT pour réaliser une attaque de mêlée. Ok. Ouh. Ah oui. Pour changer de cible, maintenez L dans la direction du ennemi et appuyez sur RT. Choisissez une direction et appuyez sur RB pour faire une roulade. Ah oui, Allez, on y est presque. Si se battre, effectivement. Ah, c'est bien, la voiture est partie jusqu'au bout là-bas. Ils ont fait attention aux détails. Ces petits effets de lumière sont très jolis. Hein. Sous la pluie, on voit pas grand-chose, mais je pense que ça pourrait être mieux après. Ah, je crois me souvenir ici. Ouais, j'ai fait un petit peu le début sur PS4 à l'époque. Eh merde, qu'est-ce qu'on fout là ? Mais bon, la PS4 Pro soufflait comme un avion, donc. File-moi ton fusil à pompe, je passe devant. On dirait qu'ils sont retrouvés acculés au checkpoint. Et ça a plutôt mal tourné pour eux. Putain, plutôt finir 6 pieds sous terre avec ces foutus pionniers. Ouais. Bon sang. Regarde-les. Quelle bande d'abrutis tout ce temps qu'ils sont. Ils ont dit aux fédéraux qu'ils attendraient bien sagement que la horde vienne les bouffer ou quoi. C'est moche de partir comme ça, dans un trou à rats de ce genre. On va regarder quelques trucs. Ce serait bien de fouiller 2-3 petites choses parce que si je suis de nouveau attaqué, j'aimerais bien pouvoir me défendre. Et puis en tout cas me healer. Parce que. Je suis pas ultra fort au jeu de tir. C'est quoi ça? Des charniers? Tu sens ça? Oh putain! Ouais, bon. Allez, viens, on se tire. Attends une seconde. Il te reste combien de Molotov? Laisse, on verra ça au retour. Ouais, c'est ça. Va chier. Je rêve, tu cherches vraiment la merde. Et tu l'as trouvé, on dirait. Oh, et oh. En plus, oui, effectivement, il la cherche. Ouais. Ok.
Ah, y a une belle ambiance. Tu vas y retourner, hein? De quoi tu parles? Au putain de camp de réfugiés. T'agis comme ça que quand tu penses à y retourner. J'agis comme quoi? Pas responsable de sa mort. Laisse tomber. T'es monté dans l'hélico avec Sarah. Tout ce qui aurait changé, c'est que tu serais mort aussi. Laisse tomber, je te dis. Oh. Saleté d'alarme. Elle est morte alors, elle. D'accord, voilà pourquoi ils sont encore là. Est-ce que je peux régler ce problème, là? Toujours besoin de ferraille. C'est fermé ici, il va falloir que je passe à l'intérieur à tout le coup. Hey, essaie ce tunnel de service. Vois si tu peux nous dégager un passage par l'autre côté. Ça marche. Braque ton phare par là-bas. Ah, très bien, d'huile. On va préparer tout de suite ce qu'il faut. Ah, j'ai que ça. Ok. Oh 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 oh. Il vient d'y avoir un là-dedans. Ah putain. Non. Mais ça va pas, non? Me faire des plans comme ça? Cool. Il était resté enfermé. Il s'est transformé. Peut-être ses gosses. Oh là là, ouais, si, 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 ses gosses. La question est, est-ce qu'ils se transforment parce qu'ils ont été mordus, ou alors est-ce qu'ils se transforment parce que au bout d'un moment tu te transformes, quoi. Tout bêtement. Ah merde. Merde. Quoi? J'ai pas fait exprès. Mac 2. Il y en a que deux. Et on va couper ça. Ça me stresse, moi. Tiens, il y en a trois là-bas. Tu te pointes toi ou pas? Ouais, il me suit. Merde, encore des mutants! La lumière, ils aiment pas. Il n'y a plus de bras, lui. Pas de bras. Pas de chocolat. Ah, ils ont l'air tous différents. C'est bien fait, hein. Bon, je pense qu'on verra très souvent les mêmes, mais c'est tout de même très très bien fait. C'est vrai qu'ils avaient bien assuré au niveau des liqueurs, ça. Récupérer un peu de matos, hein. Ça peut pas faire de mal. J'aurais pu passer l'avant, effectivement.
C'est pas rassurant. Bon, je vais mettre le premier épisode sur la chaîne aujourd'hui. J'espère par contre qu'il sera fini d'upload parce que depuis quelque temps YouTube met du temps à upload. Ouais, je le sens. Et on a la 4K mais que 2-3 jours après quoi. Tu viens d'utiliser le dernier. Ah merde. Et il te reste de quoi en faire ? Ouais, ouais. Dis-moi des monotof. Alors LB. Ce sera pas lent. Ça fera l'affaire. Des jetables. Prêt ? Merde. Ils arrivent. Mais ils vont être. Ils arrivent de l'autre côté. Oh, des munitions. Ouais, ouais, ça arrive. Ça a brûlé là-bas aussi, ok. Ça a tout brûlé. Et puis j'ai plus de munitions, effectivement. Ah, il est beau, hein. Cette nature-là, c'est superbe. Et pourquoi il vient pas ? Ah d'accord, faut compter. J'ai réfléchi à ce que t'as dit. De partir vers le nord. Moi ce que je dis, on devrait se tirer d'ici. Ça te changerait les idées. Demain matin, on récupère les primes et on met les voiles. Bien parlé, frangin. Ça, ça me plaît. Bienvenue à la foire aux monstres. Merde. Ça grouille de partout. Ah oui. Petit terme, ça grouille de partout. Oh, ils se bouffent en trop, quoi. C'est une munition. T'as une idée ? De toute façon, elle sera pas bonne. Tu vas traverser le patelin pour en attirer un maximum derrière toi, ok ? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin, ensuite tu reviens et on se tire en vitesse. Quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever ? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Allez-vous dans la forêt ! Ah, te plante pas effectivement avec ta moto. Hey, c'est ça ! Je suis là, sac à merde ! Venez voir papa ! Saleté de tétard. Allez, fichez-moi le camp, saloperie. Alors, il faut que je passe par derrière. On va essayer de passer par là. L'infiltration, c'est pas mon fort. En plein. Les buissons vous permettent de vous cacher. Si vous n'avez pas été repéré, restez accroupi avec B. Utilisez des cailloux pour créer des diversions. Toi, est-ce que j'irai pas m'occuper de ton cas, toi ? Y. Et ton cas tranquillement et sûrement, et on va essayer de passer par là. Y'a
Couper les lumières, effectivement. Bat. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, j'entends bouffer dans le coin là. Il m'a vu là-bas. Je pense pas. Ouais, t'es là. Essaye de s'occuper de toi. Avec un petit Y. Nick, comment ça avance, frangin? T'es prêt? Pas encore. Faut que je trouve comment accéder au garage. Il y aura sûrement une pompe à carbu. Bon bah grouille-toi. Je viens de passer un de ces... Comment t'appelles ça déjà? Les trucs que les Reapers accrochent. Des totems. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont dans les parages. Atténue le bruit de vos armes et leur ajoutant un silencieux. Sélectionnez une arme compatible dans le menu de survie et appuyez sur RT pour monter le silencieux. Ok. Qu'est-ce qui est compatible? Je garde la batte. Faire plus de mal qu'une. J'ai de l'essence là. Un bidon d'essence. Non, ça me sert à rien. Si. Un bidon d'essence en main, maintenez LT pour viser et appuyez sur RT. Je vais pas les faire cramer. Pour l'instant, il n'y a personne. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un. On va essayer de passer par là. Merde. Si, y a toi. Faut que je trouve un autre accès. Il y a peut-être un passage par le toit. Ça commence bien. Ah, ils m'ont fait mal en plus. Ils font très mal très rapidement. On va regarder les molotov si je peux pas en placer un. C'est mon secret de survie ça, les molotov. D'autres ou pas, non. C'était quoi ça? Carte de l'Oregon. Ouais. Il doit bien y avoir une pompe à carburant quelque part.
J'ai pas bien vu ce que j'avais récupéré là. Scénario, actif, progression, carte. Cours déjà fini. Objet rare. Trophée. Il reste quoi, lui? Sa tête est mise à prix, faut que j'aille lui rendre sa tête, alors je suppose. Ça, virée immanente, ouais. C'est pas fait encore. Et ça encore moins. Hop, 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 je vais pas me lancer là-dedans. Alors, où est-ce que je vais pouvoir trouver ça? Il y a une moto juste à côté de moi, c'est ça, tous les coups. Boozer, t'es là? J'ai trouvé la pièce. Je me dirige vers l'autoroute. Dick! Des Reapers! Des Reapers! Non, non, non! Ah ah merde! Ah, Boozer. Boozer. Boozman. C'est pas vrai. Tu peux passer par la porte alors? Il est juste à côté, comment je sors moi? On va repasser par la porte là-bas. Une porte. Tiens bon, Boozman, j'arrive. Merde, des Reapers. Je les entends. Et effectivement. Ces tatouages sont les symboles mortuaires d'un homme mort. Les symboles des égarés. Lâchez-moi! Bande de fils de pute! Hé, Motard! Tu dois être déchu, Motard! Car tu es égaré et nous avons été trompés! Toi, mon frère, la voix, on va te montrer! Toi, n'a pas été trouvé! Tu es égaré! Toi! Égaré! Renonce! 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 Très bon cher. Des Reapers. Merde. Pas ici! Bande d'enfoirés, lâchez-le! Fils de pute, ça suffit! Fils de pute! Grande saloperie! Ils sont pas morts? Tu meurs, oui. Oh, Boozer, je vais te faire la peau jusqu'au dernier. Oh,
merde! Attends, je t'aide. Non, non, c'est bon. Arrête, fais pas fort, ouais, allez, debout. Foiré de Reaper. Faut pas qu'on traîne. Aurélie. Ah, qui m'attendait, je sais pas, plus tard. Ils sont tombés dessus, j'ai rien compris. Ok. T'as vu mon bras? Regarde pas. Putain, mon bras. Je suis sérieux, regarde pas. Le regarde pas, je te dis, allez, monte. Ah, la vache. Putain. Eh ben. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. T'as qu'à m'attendre ici. J'aurais tué de fait, Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui m'appelle. Bon. Ah, lui, il a pris cher. Depuis qu'on est parti. C'est pas comme s'il y avait grand-chose à voler. Je vais refaire connaissance avec le mobilier. Oh, oh, ça fait du bien. Je ressors chercher ma bécane. Et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller? Ouais. Cool. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Nero. Ils doivent avoir des bandages stériles ou... Attends, laisse pas ma bécane là-bas. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé hey. J'ai des munitions, si tu veux. Dans le casier, près de la porte. Merci. Hé hey. Laisse mon fusil à pompe. Hé, hey, Boozer. Ok, tiens. Voilà. Merci, frangin. Je me sens à poil sans lui. Eh bien, on va arrêter ici, hein. On va stopper ici, regardez le casier d'armes. Le casier d'armes vous permet d'accéder à toutes les armes achetées et les armes trouvées sur le terrain ne peuvent être stockées dans votre casier d'armes. Alors on a quoi dans le principal? Rien. Dans l'arme de poing, on a quelque chose et on a deux armes disponibles dans les spéciales. Mais non, mais ça c'est ce que j'ai déjà en fait. Et en spécial, on a des arbalètes de drifter et conditions militaires. Version améliorée d'une arbalète standard. On va prendre l'arbalète militaire. Pratique pour agir avec discrétion, sa polyvalence est renforcée par sa variété de carreaux qu'il est disponible de fabriquer. Le temps de rechargement et de l'arbalète est plus long. Très joli paysage là. Hein. Eh ouais. Prendre quelques balles. Pas des munitions, j'en ai utilisé pas mal. Ma batte de baseball doit être abîmée aussi, je pense. Bon bah le jeu est très beau. Sur PC, ça claque. Après, il était déjà superbe sur PS5. Hein. Enfin sur PS4, pardon. PS5, je l'ai testé, mais très, très, très rapidement. Donc, j'y ai pas vu grand-chose. Mais sur PS4, il était très joli. Par contre, voilà, la PS4 soufflait comme un Boeing. Bon, bah écoutez, je vais donc vous laisser ici. Vous souhaitez à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je sais pas du tout à quelle vitesse je vais sortir ce let's play. Hein. J'en ai beaucoup déjà commencé. Petit à petit, j'en finis quelques-uns que j'avais arrêtés, que je reprends comme ça. Mais ouais, en tous les cas, je me focalise toujours sur les Nioh pour le moment. Et parce que je pense que Nioh 1 est bientôt fini, Nioh 2, ça ne saurait tarder quand j'aurai fini Nioh 1. Et j'ai déjà filmé quasiment tous les Dark Souls, donc il n'y a pas de souci particulier avec ça non plus. Allez. Je vais me taire, j'espère que ce let's play vous fera plaisir,
Je vais donc vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Il y a de la fumée là-bas.